Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Il était une fois... Le loup. Animal mythique, le loup a toujours fasciné les hommes. Nous le retrouvons dans les traditions orales des chamans indiens ou sibériens, les anciens textes hébraïques, les légendes scandinaves ou asiatiques, les mythologies grecques ou romaines, tantôt vénérés et honorés, tantôt craints et détestés. Dès sa première gravure du loup sur la paroi de sa grotte, l'Homo sapiens va peu à peu tisser des liens étroits avec cet animal intelligent qui, une fois dressé, va l'accompagner comme un précieux allié au cours de la chasse. Chez les Amérindiens, il est symbole de force et d'invincibilité. Pour l'Amérique du Nord, il représente le grand organisateur et le guide, l'être intermédiaire entre deux mondes, le réel et l'imaginaire, le haut et le bas, la matière et l'esprit. Il n'est jamais un concurrent. En Europe de l'Est, il est plutôt considéré comme un animal bienfaisant, protecteur des peuples, comme l'atteste Romulus et Rémus, allaité par une louve dans la Rome antique. C'est au Moyen-Âge que le loup va changer de réputation. Guerres, famines, épidémies vont se succéder durant ces siècles troublés. Les loups, au même titre que les renards, vautours, chacals, aigles, vont se nourrir des cadavres laissés sur les champs de bataille et au cours d'hivers très rigoureux, se rapprocher des villes et villages, d'où la crainte et la colère des populations. L'imagination humaine le transformera même en loup-garou et ça dès le 5e siècle avant notre ère sous Hérodote en Grèce antique. Le fléau qui va définitivement condamner le loup du cœur des hommes en Europe est la rage du 19e siècle. Cette rage qui va également toucher les chiens, les renards et autres bêtes sauvages donne lieu à de grandes exterminations des loups. Une loi votée en 1892 instaure une prime pour chaque bête tuée. 1300 loups disparaissent du territoire de France en 1930. La semaine dernière, un loup gris est aperçu à la frontière entre la Dordogne et la Charente. Il est de retour. Mais qui est réellement le grand méchant loup? C'est un mammifère qui mesure entre 70 cm et 1 m50, sa taille varie selon les espèces, son museau est pointu, ses petits yeux sont brillants, de couleur foncée, sa queue mesure entre 30 et 50 cm. À l'âge adulte, il pèse environ 40 kg. La taille de la louve adulte est plus petite que celle du loup adulte. Un être certes au regard troublant et pénétrant, pouvant nous le faire craindre, mais si proche de nous par sa compréhension et son comportement. Maillon essentiel de la biodiversité, doué de capacités surprenantes, le loup vit en meute. Un couple dominant joue le rôle de chef de groupe, il s'agit du couple alpha. Le couple dominant est celui qui décide pour la survie de la meute, les déplacements, la chasse, le marquage du territoire. Le couple alpha est le seul à se reproduire. Arrivent ensuite les bêtas, chargés de prendre la place du couple alpha en cas de problème. Et ensuite, viennent les omégas qui sont les plus mal lotis. Ils subissent agressions perpétuelles et leur position les détermine comme derniers à manger sur une proie tuée en meute. À cette organisation hiérarchique s'ajoutent des facultés physiques impressionnantes. L'acte de chasse est inné chez le loup comme chez tous les carnivores. Ils ont la faculté de mémoriser les endroits déjà visités pour la chasse. Ils repèrent leur proie à l'odeur et à la vue et peuvent parcourir de longues distances. En France, une étude démontre que 75% de l'alimentation des loups du Mercantour est d'origine d'animaux sauvages, cerfs, chamois, mouflons, 15% seraient d'animaux domestiques, et le reste soit 10% environ de proies, lapins, marmottes, lièvres, insectes et fruits. Le loup chasse en meute, de préférence une proie malade ou affaiblie, et à ce titre, il s'inscrit dans le cycle de la biodiversité comme un régulateur permettant au gibier sain de se développer et de mieux se reproduire.
N'oublions pas que nos compagnons quotidiens, nos chiens, ont tous pour ancêtre commun le loup. Pourquoi nous fascine-t-il tant? Ne serait-ce pas par sa ressemblance comportementale avec l'homme? Homo homini lupus est, locution latine datant de 195 avant Jésus-Christ, énoncée dans une comédie de Plot, la comédie des ânes, et signifiant « l'homme est un loup pour l'homme ». Ici, Plot affirme que l'homme prend pour un loup l'homme qu'il ne connaît pas. Actualisé au XXIe siècle, il semblerait que l'homme ait dépassé le loup. Certes, l'organisation des loups est élaborée autour de la domination, mais à aujourd'hui, les loups n'ont pas la capacité nucléaire ni la destruction massive comme prédation. Ils ne sont que les gardiens d'un sanctuaire naturel qu'ils ont choisi. Nous estimons avoir des droits de propriété acquis de manière financière, mais une fois de plus, l'argent n'est qu'une création humaine déconnectée du vivant et de ses besoins. Aussi, le loup a toute sa légitimité comme maillon régulateur de biodiversité, contrairement à nous qui serions plutôt des dérégulateurs. Pour rappel, l'extinction massive de la faune est essentiellement due à la pression humaine sur les territoires, villes, industries, agriculture. Que reste-t-il à nos animaux sauvages pour vivre? Et en second rappel, nous savons pertinemment aujourd'hui que la protection de notre environnement passe par l'arrêt immédiat du piétinement des humains sur le reste de celui-ci. Aussi cette chronique est dédiée à celui qui m'a également fait peur dans mon enfance et qui dans mon imaginaire suscite encore une crainte. Il délimite son espace comme je délimite mon impact autour de moi. Respect et discrétion sont de mise. Voilà comment l'homme devrait de nouveau coévoluer avec son environnement. Comme le loup suscite des sentiments ambivalents et exacerbés, l'homme doit affronter lui-même ses démons intérieurs. Je terminerai avec cette légende cherokee d'un grand chef indien enseignant la vie à son petit-fils. C'est un combat terrible qui se produit entre deux loups. L'un est mauvais. Il n'est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, arrogance, auto-apitoiement, culpabilité, ressentiment, sentiment d'infériorité, mensonge, faux orgueil, sentiment de supériorité et ego. Alors que l'autre loup, il est bon et n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Cette bataille intérieure est vécue par chacun d'entre nous sur cette terre. Ce combat terrible se passe aussi en toi et à l'intérieur de chacun. Mais dis grand-père, lequel des deux loups va gagner? Celui que tu nourris. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Green aussi. Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green absolu. Green, un Green plus Green.